C'est Topa en 70 TV en direct d'Amsterdam, mec. Bah voilà, bah NetTap qui sort, il va y avoir en fait, tu vois, des morceaux qui sont déjà sortis. C'est-à-dire des morceaux qu'on a, tu sais, que j'avais placés sur des compilations ou des morceaux qui étaient sur certains albums. Donc c'est une façon, tu vois, pour les gens qui connaissent déjà, je pense, de les retrouver. Et puis il y aura aussi d'autres morceaux, des morceaux inédits. Ça, voilà, c'est, on va dire, cadeau. Amsterdam en direct, mec. Amsterdam, parce que déjà c'est une ville qui est superbe, quoi. Amsterdam, chaque coin de rue c'est magnifique, tu vois, il y a des bâtiments magnifiques, il y a une ambiance particulière. Bah, c'est pour expliquer un peu mon parcours, comment je suis arrivé dans le rap, mon histoire. Et c'est en même temps une dédicace à tous les gens que j'ai rencontrés depuis le début avec Diabuse, Da System, etc. Puis même je remonte à très loin à l'époque avec mon frère, vraiment, bon voilà, je veux dire, ce qui m'a fait connaître le rap. Et puis jusqu'à après tout l'enchaînement, quoi, tu vois, de tout ce qui s'est passé, de toute, de toute l'évolution. C'est un morceau, voilà, bon, peut-être pour les jeunes, ce sera découvert, mais pour les anciens qui connaissent, je pense qu'ils le reconnaîtront, quoi. Il n'y aura pas de problème. Il me faudrait plus de morceaux encore, je veux dire, j'ai dû tout condenser, tu vois, quelque part. Mais voilà, j'avais encore pas mal de choses à dire, mais bon, on va dire que j'ai essayé de dire le principal, quoi. Voilà. 70 TV, bon. Amsterdam, quartier rouge. International. International, le vieux peps. Ça va être, on va retrouver des images d'archives, et puis, ça va être plus comme on dirait dans l'image, etc. Tu vois, il n'y aura pas de concept en particulier. Je fais confiance à nos amis des 70 pour pouvoir nous faire un bon montage. Je pense que ça va être quelque chose de sympa, quoi. C'est quoi 70 TV? D'ici pas très longtemps, tu vas nous trouver en Espagne. Voilà. L'album box office, donc pour la rentrée de septembre. Pour ceux qui ne savaient pas, ben voilà, maintenant vous savez. Ça va s'appeler Ennemi d'État. Et puis après, il y aura encore certainement d'autres albums avec mon cher Atis, mon cher Cinto. Oui. Restez à l'écoute, continuez à pianoter sur internet. Cinto, Rafikante, NSI, il n'est pas là, mais voilà, t'inquiète.